pour le RSA. Le RSA, pour tous les RSA. C'est pour le de France et de Navarre. De France et de Navarre. Le RSA est dans WebRSA, mais y'a pas FRSA dans le WebRSA, car c'est pas Pôle emploi et c'est pas RGPD. Le RSI veut gérer ses HTTP, THTTP, ni flux de données cibles. Le SAG de la DEIAT veut doter de délits bien datés. Les PIE, les CER dans WebRSA, mais voilà, ça reste à charge des PO pas financiers. Et y'a aussi la CAF qui est pas financée. Et si un cerf aussi ont donné riche plusieurs sources différentes, fiabilité, granularité, multitude de fichiers, ça, fichiers, fichiers défaillants comme FRSA, mal connectant à WebRSA, mal connecté, SSD Nova, Sphinx, la CAF, Sansaref. Process à maudit par des devs, alliance, besoin d'améliorer les refs, errance de la maîtrise des données, solution envisagée, l'entrepôt du SAG est inévitable pour faire rase table et avoir un SI cible stable, un SI cible stable, 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 stable. Le RSA est dans WebRSA, mais y'a pas FRSA dans le WebRSA, car c'est pas Pôle emploi et c'est pas RGPD. Le RSI veut gérer ses HTTP, THTTP, ni flux de données cibles. Le SAG de la DEIAT veut doter de délits bien datés. Les PIE, les CER dans WebRSA, mais voilà, ça reste à charge d'un des PO pas financiers. Et y'a aussi la CAF qui est pas financée. Les ARSA sont des personnes, les DRSA sont des foyers ou des ménages. Le droit au RSA est accordé en fonction du foyer. Les mesures d'insertion sont accordées aux personnes adultes. La CAF s'occupe de l'instruction, le département de l'insertion. Un ARSA est orienté selon trois types de parcours. Parcours professionnel, accompagné par PE, doit signer un PPAE. Parcours socio-professionnel, accompagné par un PIE, doit signer un CER. Expression de l'obligation légale d'effort pour son insertion. Parcours social, accompagné par le SSD, doit signer un CER. La DEIAT travaille avec la DEI pour le FSE pour financer une partie des PIE. Le RSA est dans WebRSA, mais y'a pas FRSA dans le WebRSA, car c'est pas Pôle emploi et si pas RGPD. Le RSI, le CHTTP.